Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. Alors, nous avons fait la page 3. Voilà, et nous allons faire cette page-là. Donc, j'ai décidé de faire une petite cascade, mais toute simple. Voilà, j'avais pas envie d'étirer tout non, je voulais faire une toute simple. Donc, j'ai pris des petites cartes de 10,5. Sur 11,5 et à 6 mm 6 ou 7 mm j'ai fait ma petite bordure pour le collage et j'ai mis en biais, d'accord. J'ai arrondi mes petits coins et j'en ai fait 4 comme ça, voilà, 4 pareils. Donc ça c'est bon. Ensuite j'ai pris un papier design de la collection, j'ai calculé derrière 2 cm. Tous les 2 cm, j'ai fait une ligne. Donc on calcule 2, 2, on fait des lignes. J'ai fait des petits ronds parce que ça empêche de se déchirer plus en fait. Mais bon, j'aurais peut-être pas dû. Enfin, je vous conseille de ne pas le faire, mais ça se déchire moins, on va dire. Voilà. Donc j'ai fait 4 lignes derrière, voilà, en hauteur, hein, tous les 2 cm. Sur la longueur de ma carte. Donc. Là, j'ai 11,5. Voilà. Et ça fait ça. Hein. Donc, j'ai découpé au cutter, j'ai fait mes petits ronds. Et on va enfiler nos cartes dessous. Donc, je prends la première. Je l'enfile là. Donc, il faut bien la mettre droite. On suit la ligne des petits ronds. Là. Voilà. Et derrière. On va venir la coller. Donc. Là, en appuyant le rebord. Voilà. On vérifie si c'est bien droit. Hein. Voilà. Comme ça, on ne voit pas les plis, vous voyez. Hop. On ne voit aucun pli. Voilà. Ensuite, on va mettre la deuxième. Donc, c'est tout simple. Hein. Voilà. Voilà. On regarde si on est bien droit par rapport à celle du haut. Hein. Donc, on la suit. Hein. Comme ça. De chaque côté. Une fois qu'on l'a, on vient mettre la colle derrière. Encore hein, si c'est bien droit, c'est très important de vérifier si c'est bien droit. Voilà, on verra, on peut bien mesurer hein, sans que... Oups. Désolé du bruit. Si on a bien nos 2 cm, ouais, ça va. Ok, on relève le tout. On regarde aussi si c'est droit là. On met le troisième. Donc c'est vraiment un petit tuto tout simple. Voilà, on regarde si c'est bien droit. On retourne. Hop, on le colle. On va plier un peu. Ça colle mieux. Voilà. On regarde si c'est droit. Voilà, on regarde si c'est droit aussi en haut, ici, sur les bords. Voilà, c'est très bien. Et la dernière carte, j'en mets 4. Vous pouvez en mettre plus, hein, ça c'est vous qui voyez. Donc on abaisse, on remet droit. Hop. On retourne. Ah, elle est pas bien. 10. Et on colle. On vérifie. Hop.
peine un peu plus. On regarde en haut. C'est bon. Voilà. Et on vient appuyer. Voilà. Et moi, je remets du double face dessus parce que j'aime bien. Ça tienne. Voilà. J'aime bien que... Ah non, ça c'est pas double face. Non, c'est celui-là. J'ai pas plus large. Si, si. J'ai le rouge que j'ai acheté il y a pas longtemps là. Et celui-là, il tient très bien. C'est un très bon double face. Donc, je vais tout en double face. Comme ça, ça bouge plus. Ok. Puis voilà. Et là, c'est nickel. Après, il n'y a plus qu'à mettre. J'essaierai de faire un papier design là en dessous pour que ça fasse la continuité là. Moi, je trouve que c'est beau. Voilà. Donc, on pourra mettre. Bon, celle-là, on va la faire une déco, donc on mettra rien. On mettra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos on peut mettre. Voilà, c'est des photos de 9,5 sur 11. Ouais, je sais pas si ça existe, mais on les recoupe, hein, on trouve de tout. Quoi. Voilà, peut-être je cacherai ces petits trous, on verra. Bon, je suis un petit peu... Je mettrai des petites bandes ici pour cacher un peu là. Chaque côté, on verra, pour cacher un peu les petits trous quand même, parce que c'est pas trop chouette. Voilà, il n'y a plus qu'à coller cette page là dessus. Ah, on va faire peut-être aussi un rabat, donc ouais, donc il faut que je trouve une petite chose en bois là. On va venir faire un rabat, donc avec les chutes de papier. Je vais retrouver, attends, soit celle-là, soit celle-là. Une petite chute comme ça. On va venir la coller en dessous, donc on va faire 1 cm de colle, déjà, bien sûr. Ça viendra en dessous du papier, ça c'est caché. On va trouver le centre, on va venir jusqu'ici. À peu près par là, donc je vais couper, je vais vous dire en centimètres. Je fais des faux pifs comme ça, mais c'est voilà, c'est je vois à peu près quoi. Donc en centimètres, ça fait une bande de largeur de 4,5 et la hauteur, j'ai pris 14, 15 avec le rabat, ça fait 14. Voilà, j'arrondis mes coins. On va venir coller cette bande bien au milieu, donc on cherche le milieu. Donc là, j'ai 15,5, la moitié, ça fait 7,5, après là, non, c'est ça, 7,7 en fait. Voilà, comme ça j'ai mon milieu, je mets ma colle ici. Comme ça, le rabat, il sera caché. Ah, allez. Ok. Et je le place au milieu, en dessous, ici, au milieu de ma bande. Voilà. Qu'elle soit bien droite. Ok. Et là, j'appuie. Je tourne, j'appuie encore un coup. Voilà. Et ici je mettrai un embellissement en bois, donc il faut que j'en trouve un qu'on passera en dessous pour coincer notre petite pochette. Est-ce que je fais un petit rabat, un petit gousset?
Non, parce que voilà, ça fait 8 photos. Ça devrait aller. Il n'y a pas besoin de gousser. Voilà, donc je vais trouver un embellissement en bois ou un bouton. Quelque chose que je puisse passer dessous. Voilà, voilà. Pour, je passerai dessous pour coincer mon. Ou un embellissement hein, que j'ai fait, une fleur, quelque chose. Pour passer en dessous. Et je tiendrai ma page comme ça. Voilà, ou une petite page toute simple, vous voyez, très facile à faire, que tout le monde peut faire, et voilà, c'est pas une tirette, hein, c'est juste des cartes comme ça, voilà. J'aime bien, c'est sympa. J'espère que ça vous a plu, voilà. Bonne soirée, au revoir, bonne journée plutôt.